Bonjour, aujourd'hui c'est Princesse Mute et je vais vous parler de quelque chose qui m'a pas fait plaisir ce matin en me réveillant. Donald Trump est passé au pouvoir. Alors dit comme ça pourrait faire marrer, on pourrait croire à une mauvaise blague. Et là, c'en est pas une. Il va vraiment succéder à notre très cher Obama. Ça fait bizarre de voir que l'Amérique passe d'un opposé à l'autre. Elle est passée d'une ouverture d'esprit gigantesque en élisant un homme. Blague de surcroît, connu de nulle part, etc. Intelligent, qui voulait faire du social, qui voulait un peu tout ça. Et apparemment, l'Amérique, ça lui a fait peur. Je sais pas, ou ils sont tous devenus zombies et cons. Mais le fait est, c'est que ils ont voté pour l'opposé total, c'est-à-dire retourner en arrière, partir dans des complots complètement idiots, du genre que c'est la Chine qui a inventé le réchauffement climatique pour empêcher nous, pays industrialisés, de pouvoir polluer. Ouais, ils le pensent vraiment, quoi. C'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire qu'encore, ils auraient élu n'importe quel crétin qu'ils auraient sorti de la rue, ils n'auraient rien fait. Là, le problème, c'est que ce gars-là va vraiment faire des choses. Il dit ce qu'il va faire, ce qui est encore plus grave, parce qu'on l'entend et on se dit c'est vachement drôle, mais c'est pas drôle. Donc aujourd'hui, moi, je vous propose de partager sur tous les réseaux sociaux que les États-Unis sont morts. Voilà, aujourd'hui pour moi, c'est bon, c'est fini. On a mis entre les mains d'un demeuré sexiste et en plus par-dessus le marché obsédé sexuel, le pays avec le plus d'armes, le plus une armée surpuissante. Et les gens trouvent que c'est bien. Alors si vous êtes d'accord avec moi, quoi, c'est pas bien. C'est pas une bonne nouvelle. Je vous mets en commentaire, le lien pour avoir cette image et le partager sur vos réseaux sociaux. Voilà. Et dans l'espoir qu'au final ça se passe plutôt bien, hein. Après tout, on n'a pas le supporter 15 ans, hein. On va espérer. Voilà. Et dans l'espoir qu'il fasse vraiment rien, quoi. Que ce soit ses conseillers qui fassent les choses. Pitié, pitié. Allez, à plus pour une vidéo plus sympathique. Bye!